Salam le monde, donc moi bonjour à tout le monde francophone du monde entier. Donc franchement je suis très contente de faire une vidéo en français, une vidéo qui va apporter sur les mots qui sont à la mode dans le langage des jeunes. Alors aujourd'hui en France on observe quand même une montée des mots arabes. Donc des mots arabes qui sont utilisés par des Français de souche, par des jeunes Français, des étudiants, des élèves, en tout cas des jeunes, mais sont des mots franchement drôles et je pense qu'en été ils sont à la mode parce qu'ils sont, ils ont une consonance très drôle. Alors les mots arabes qui sont à la mode dans la langue française sont très nombreux et on va en parler, donc on va en parler de quelques mots qui sont très très utilisés par les jeunes. Alors le premier mot qui est vraiment à la mode, c'est le mot astaghfirullah. Alors astaghfirullah, ça veut dire quoi? Alors astaghfirullah, déjà c'est pas facile à prononcer hein. Donc en arabe littéraire astaghfirullah et bien sûr en français on dit astaghfirullah, 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 etc. Donc en fait il y a aussi une déformation du mot et ça fait une consonance assez drôle. Alors le mot astaghfirullah, ça veut dire que Dieu me pardonne. Alors quand est-ce qu'on dit le mot astaghfirullah? C'est surtout lorsqu'on se rend compte qu'on s'est trompé sur quelqu'un, qu'on a dit un mot déplacé par rapport à une personne. Donc on se rend compte qu'on a fait une erreur, donc on demande pardon, à la personne. Donc astaghfirullah, ça veut dire que Dieu me pardonne, cette erreur. Ensuite, le deuxième mot qui est vraiment très à la mode et très utilisé par les jeunes, c'est le mot mashallah. Donc mashallah, c'est déjà une consonance musicale. Donc mashallah, ça veut dire que c'est beau, la créature de Dieu. Donc en fait mashallah, c'est une expression pour exprimer son admiration, pour exprimer sa satisfaction, son contentement. Donc lorsqu'on est content de quelqu'un, lorsqu'on voit une très belle fille, on dit mashallah, qu'est-ce qu'elle est belle. On voit une personne très intelligente, mashallah, qu'est-ce qu'elle est intelligente, etc. Donc en fait mashallah, c'est pour exprimer l'admiration, son admiration face à la créature de Dieu. Il faut savoir que les mots arabes sont souvent liés à Allah. Pourquoi? Parce que la langue arabe, elle est imprégnée par des mots qui ont un rapport avec le divin. Donc des mots qui ont une connotation religieuse. Des mots qui connectent l'être humain à Allah, à Dieu. Le troisième mot qui est à la mode aussi, c'est le mot hamdoulilah. Alors, alhamdoulilah en arabe, hamdoulilah, donc en français. Donc, en fait, c'est un mot assez drôle parce que on le prononce avec une lettre, avec un son qui n'est pas, qui n'existe pas en français, donc le ha, hein, ha, ça vient de la gorge, et ça fait quand même assez drôle pour les jeunes qui commencent à expérimenter tous les sons qui viennent de la gorge. Alhamdoulilah, ça veut dire je remercie Dieu, grâce à Dieu. Donc en fait c'est une expression qu'on dit par exemple lorsqu'on apprend une bonne nouvelle après une période d'inquiétude, on dit alhamdoulilah, elle a réussi, alhamdoulilah, tout va bien. Alhamdoulilah, c'est une expression également qu'on exprime, qu'on prononce après le repas. Ça veut dire une fois qu'on a, on a bien mangé, on est bien rassasié. Donc à ce moment-là, on dit alhamdoulilah, donc Dieu merci pour ce repas. Donc alhamdoulilah, c'est une expression pour remercier Dieu, pour remercier Allah, pour dire qu'on est vraiment content de ce qui nous arrive. Ensuite, d'autres mots qui sont à la mode, c'est le mot qui est un mot assez quand même ancien, c'est le mot que tous les Français connaissent, c'est le mot hachouma. Donc hachouma, ça vient de hachma, hachouma, ça vient de hachama, donc hachouma. Il y a aussi le son ha qui revient, hein, c'est un son assez drôle à prononcer. Donc le hachouma, ça veut dire la honte. Ça veut dire lorsqu'on commet un acte qui ne plaît pas à tout le monde, un acte qui est réprouvé par les gens. Donc on dit vraiment il fait la honte, hein, donc il a la honte de sa famille, il fait la honte à l'école, il fait la honte à ses copains. Donc en fait le hachouma, c'est vraiment la honte, donc c'est une grande honte, une honte énorme. Il faut savoir aussi que le hachouma ne vient
vient pas de la langue arabe littéraire. Il vient du dialecte. Donc dialecte algérien, marocain, tunisien, on a le mouachouma qui veut dire donc il fait la honte à quelqu'un. Alors ensuite vous avez un autre mot qui revient assez souvent chez les jeunes, c'est pour se moquer de quelqu'un, donc il y a le mot lahas. Donc lahas, il y a toujours le son ha qui revient hein, parce que c'est un mot quand même, ça demande beaucoup d'efforts, d'articulation, un effort donc de la gorge pour le prononcer. Donc lahas veut dire... quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens mais qui se met à gratter sur les autres, donc c'est un radin mais qui cherche à avoir par exemple une cigarette, qui veut avoir donc il veut avoir quelques sous, donc il va emprunter aux gens pour pouvoir survivre. Donc on dit la hasse, c'est quelqu'un, c'est un radin, c'est une personne radine qui n'a pas beaucoup de moyens et qui vit sur le dos des autres. Donc du coup la hasse c'est un mot aussi qui vient pas de l'arabe littéraire, et en fait ça, à l'origine il vient de l'arabe littéraire mais il n'a pas le même sens. Donc la has, ça vient du dialecte algérien, la has c'est le sens en fait de gratteur, voilà. Et le mot la has, comme je vous ai dit, il vient aussi de l'arabe littéraire mais il n'a pas le même sens. Donc la has lui qui lèche, hein, c'est un lécheur. Donc en fait ça revient au même finalement, celui qui gratte aussi il lèche, hein, c'est un lécheur, donc il cherche à gratter, cherche à lécher quelques miettes, il veut lécher pour avoir plus, il lèche sur le dos des autres. Il y a aussi des mots marocains qui sont assez appréciés par les gens, c'est le mot wara pour dire ok, hein. Et on voit bien que wara aussi il ressemble beaucoup au mot ok, hein, donc ils doivent avoir la même racine. Donc wara, ok, ça veut dire qu'on est d'accord. Alors il y a le mot inshallah aussi qui intervient dans la langue, dans le langage des jeunes. Donc inshallah ça veut dire si Dieu le veut, ça veut dire on projette de sortir le lendemain. Par exemple, on projette de sortir demain pour aller au cinéma, pour sortir ensemble. On dit ok, rendez-vous à telle heure, inshallah, donc si Dieu le veut. Et en fait, c'est une expression qui rassure la personne parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver dans les 24 heures. Donc de toute façon personne ne maîtrise le futur, et donc ça c'est une expression pour dire qu'en tant qu'être humain donc on n'a pas un pouvoir sur l'avenir, et donc notre pouvoir il est assez relatif et qu'on est limité dans le temps et le lieu. Donc en fait c'est donc inshallah que si Dieu le veut, c'est vraiment pour exprimer sa modestie, exprimer ce qu'on est, exprimer le fait qu'on ne peut pas maîtriser l'avenir et que on projette, ok on fait un projet, mais ça dépendra de la volonté de Dieu. Alors en fait, s'il y a des mots arabes qui sont à la mode de la langue française, c'est pas un hasard, hein, donc c'est pas la première fois dans l'histoire de la langue française. Il faut savoir que la langue française, elle est composée d'un millier de mots qui sont d'origine arabe et qui sont venus, sont des mots francisés. Mais à l'origine, ils sont vraiment d'origine arabe, comme le mot hasard, le mot orange, sucre, café, savon, algèbre, plein de mots qui sont d'origine arabe. Mais la prochaine fois, Inch'Allah, Inch'Allah, donc je vous ferai la vidéo sur ces mots qui sont bien intégrés dans la langue française. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, bien sûr, n'oubliez pas de liker et partager, et surtout de faire des commentaires si vous avez d'autres mots que vous connaissez, que les jeunes utilisent aujourd'hui, des mots d'origine arabe, faites-moi savoir cela à travers vos commentaires et vos réflexions. Je vous remercie beaucoup, donc à la prochaine vidéo. Coucou. Salut. À la prochaine vidéo. C'était Amal Benz. Astaghfirullah.